Bonjour, donc Nathalie sans H et je sculpte la lumière. Ce que je recherche, c'est de traduire une émotion, hein, comme beaucoup dans l'artisanat d'art. Ma technique, c'est un travail sur la forme, d'où la sculpture. Ensuite, c'est surtout un travail sur la lumière. J'adore jouer avec la lumière. C'est même mon point de départ, c'est pas la matière. J'ai fait pas mal de recherches sur différents matériaux. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment avec deux matériaux avec lesquels j'étais les plus à l'aise. Donc, ce sont des matériaux du BTP. Il y en a un, c'est le béton. Et puis, il y en a un autre, j'appelle ça dentelle de Neptune. C'est un corail marin. Donc, pour la dentelle, ma source d'inspiration, on va dire qu'elle est marine, elle est sous l'eau. Et puis, pour les bétons, mon inspiration est plutôt planétaire, d'où les formes rondes. Après, la patine grise aussi, j'essaye de traduire un peu des côtés lunaires ou des déserts rocheux, enfin, où la végétation n'existe pas. Je vais aussi jouer la déformation avec des cassures, des failles. Je travaille beaucoup avec des architectes d'intérieur parce que je fais que de la pièce unique et du sur-mesure. Donc si on a une demande particulière pour un hôtel, pour une chambre d'hôte, pour un client, enfin, dans ce cas-là, on vient vers moi, on échange et on voit quelles pièces on peut réaliser pour répondre à la demande.